Guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peu pour le peu et par le peu. J'espère que vous portez bien à merveille. J'espère que vous pétez la forme ce matin. Voilà, sachez que vous êtes en direct de la chaîne Entrepreneur Web 3.0, une chaîne qui a vocation à éduquer, à former, à sensibiliser, à coacher. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Entre autres, nous avons également un programme de formation taillé sur mesure en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à laisser en commentaire, je veux me former. Voilà. Et autre chose aussi, voilà, si vous vous abonnez, vous allez comme ça bénéficier de notre expertise au quotidien. Voilà, parce que nous faisons généralement l'analyse des projets crypto, que ce soit décryptage, analyse technique ou fondamentale. Donc c'est vraiment important, voilà, de vous abonner pour ne rien manquer. Et tout ce qu'on vous demande en retour, c'est de vous abonner, voilà, de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Voilà, pour être toujours informé en temps réel, c'est de cela qu'il s'agit. Donc les gars, la seule chose que je vous demande personnellement, voilà, c'est juste de liker et de partager. Déjà, je dédicace mon temps et mon énergie pour partager des projets assez intéressants avec vous. Voilà. Et en retour, j'ai juste besoin de votre petit pouce bleu. Voilà, ça va m'encourager, ça va encore me donner plus de force, voilà, plus de courage, plus de motivation à pouvoir toujours partager avec vous des projets qui vont vous apporter de la valeur. Car ici, vous allez avoir ce qu'on appelle en général de la valeur ajoutée. Donc, je vais partager une information très très importante avec vous, parce que c'est une question qui est encore revenue. Je crois hier, il y a des followers qui m'ont demandé de présenter quelques pépites pour 2022. Voilà. Donc, voici les pépites que vous devez avoir avant la fin de ce mois. Donc, toutes ces crypto-monnaies que vous voyez ici à l'écran, vous devez avoir une certaine quantité. Bref, ceux qui aspirent à être milliardaires, voilà, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un investisseur comme vous, voilà, qui au quotidien partage son expérience, partage sa plus-value, partage son savoir-faire, voilà. Donc je ne suis pas conseiller financier, je donne juste mon avis. Mais entre autres, vous devez également vous-même faire effectuer vos propres recherches avant de prendre votre décision finale. Donc je viens juste en support avec des éléments de base. Voilà, vous à votre niveau, vous faites vos propres recherches, et si ça vous semble satisfaisant vos recherches, vous venez, si ce sont des projets qui ont des liens de partenariat ou des liens d'affiliation, vous utilisez mon lien, voilà, parce que vous avez connu le projet grâce à moi, et pour vous positionner, voilà, parce qu'il y a le projet Safi International, donc qui a pour but de tokeniser tout Dubaï. Donc actuellement, plusieurs personnes sont en train de négliger ce projet là mais ils n'ont que les yeux pour pleurer d'ici quelques mois, voilà, parce que lorsque le coin va commencer à prendre de la valeur, voilà, tout ça et autres, parce qu'ils ont pour objectif de tokeniser tout Dubaï. Vous savez que Dubaï aujourd'hui c'est l'un des plus grands pays au monde, voilà, c'est la ville la plus c'est la ville même Dubaï, c'est la ville la plus visiter actuellement au monde, voilà. Donc les gars, voici la liste des cryptos que vous conseille d'avoir, voilà, dans votre wallet avant février, voilà, avant février, avant la fin de ce mois, voilà. Ça c'est une vidéo que j'ai programmée, et j'ai répondu à travers cette vidéo, je veux répondre favorablement à ce followers là, voilà. Donc chers followers, voici les crypto monnaies que vous devez avoir. Il y a d'abord un, on va prendre notre flèche. On va prendre la flèche. Il y a d'abord un, le Baby Doge ici. Voilà, il y a le Pigbull. Baby Doge, j'ai réalisé une vidéo ce matin. Vous allez sur la chaîne, vous allez voir cela. Il y a Pigbull également. J'ai aussi réalisé une vidéo. Comment vous pouvez l'acheter? Vous pouvez l'acheter sur PancakeSwap. Vous pouvez aussi l'acheter sur Hotbit. J'ai fait un ordre de vente tout à l'heure. Je vais aller voir si l'ordre est passé. Un instant. Je vais aller voir si l'ordre est passé, parce que j'ai initié un ordre ce matin, un ordre d'achat par rapport à un certain prix. Je vais voir si l'ordre est passé ou pas. Voilà. Voilà, donc je suis sur la plateforme Getio. Voilà, c'est une plateforme comme ça que vous pouvez avoir plusieurs crypto-monnaies RC20. Je laisserai également le lien d'affiliation de cette plateforme-ci en description de cette vidéo, parce que vous pouvez avoir comme ça des pourcentages lorsque vous faites des trades, donc de 10 à 30%. Voilà, donc
au niveau des commissions, hein, au niveau des commissions, au niveau des rewards aussi. Parce que lorsque vous recommandez votre lien et des personnes utilisent pour faire des achats, vous avez comme ça des coins, vous avez comme ça des pièces qui viennent en reward. Donc, c'est pas aussi négligeable. Donc, j'ai pris position le matin sur le Picbull. Je veux voir si l'ordre est passé. Je m'en vais sur buy. Donc, actuellement, l'ordre n'est pas encore passé. Vous voyez là, buy limite. J'ai effectué un ordre limite le matin à 8h, à 8h59. Donc, actuellement, le prix est en train de descendre. Parce que le matin, lorsque je passais mon ordre le matin, on était à 1 point. 1 point, non, on est à 1,55. Non, je sais pas, non, on est à 1,55. Voilà, là maintenant nous sommes descendus, on est à 1,35. J'ai initié mon ordre à 1,33. Donc d'ici peu, mon ordre doit passer. Voilà, parce que là j'ai étudié le projet. Voilà, ce sont des techniques comme ça que nous utilisons pour ne pas acheter trop cher, parce que nous avons nos différentes techniques. Voilà, donc je reviendrai sur cette plateforme plus tard. Voilà, donc je vais continuer mon analyse ici. Voilà, je prends mon crayon de nouveau. Ici, je prends mon crayon. Voilà, je prends mon crayon ici, là. On va sortir ici. On n'a pas besoin de ça. On prend mon crayon. On va continuer ici. Voilà. On a le Raibun, voilà, qu'il faut pas négliger. On a ici le Fat Token, voilà, et aussi le Yoshi, voilà, qu'il faut pas négliger. Aussi le Safe Moon arrive également, un projet très très lourd, un projet très très lourd, voilà, que vous pouvez aussi avoir sur Get.io. Voilà, et aussi le Floki Uni. Vous savez qu'actuellement le Floki Uni est partenaire de plusieurs clubs européens, plusieurs clubs de foot, voilà, et partenaire aussi depuis des championnats. Et aussi le Dogecoin. Parce que le Dogecoin actuellement est utilisé comme moyen de paiement chez Tesla, et utilisé aussi comme moyen de paiement sur certaines plateformes déjà. Donc il ne faut pas négliger le Dogecoin. Il est bien vrai que le Dogecoin a rendu plusieurs personnes milliardaires et millionnaires dans ce monde, dans le monde des cryptos. Voilà, lorsqu'il était encore vraiment très très bas à l'époque. Il y a le Shiba Uni également qui a rendu plusieurs personnes millionnaires et milliardaires déjà. Il y a aussi le Radio Kaka V2, voilà, qui est une crypto-monnaie à ne pas négliger. Il y a crypto.com, la crypto-monnaie que tout le monde devait avoir, parce que la plateforme crypto.com, l'exchange crypto.com, c'est l'un des exchanges les plus médiatisés. Ils font beaucoup de campagnes publicitaires. Donc lorsque vous naviguez sur le net, crypto.com apparaît toujours, et ils ont leur propre crypto-monnaie qui a potentiellement pris de la valeur. Donc c'est une crypto-monnaie que vous devez avoir, parce que actuellement je pense que cette crypto-monnaie elle doit peut-être avoisiner les 100 dollars avant fin 2022, parce que la manière qu'elle est médiatisée, voilà, donc elle suscite beaucoup d'intérêt. Il y a Elon Tech. Voilà, c'est aussi un projet qu'il ne faut pas négliger, voilà, qu'il faut suivre de près. Il y a le Saitama. Vous savez que le Saitama, c'est un très gros projet. Nulle était la fausse information de CoinMarketCap sur Saitama, sur l'un de ses développeurs, l'un de ses dirigeants. Voilà, Saitama serait vraiment très très bon aujourd'hui, mais elle continue son chemin. Il y a aussi le Donzilla. Actuellement, vous devez avoir minimum 1000 milliards de pièces. Minimum 1000 milliards de pièces. Voilà, pour celui qui n'a rien. Parce que 1000 milliards de pièces, ça vaut rien. Ça vaut même pas 5 dollars. Donc, il y a aussi le Liopa. Voilà, il y a le Liopa. Voilà, ça, c'est les crypto-monnaies que vous devez avoir avant fin février. Bon, je vais ajouter ici. Je vais ajouter ici. Je vais prendre mon crayon. Voilà, il va ajouter ici. Il va ajouter cette crypto-monnaie que j'ai partagée. Il va ajouter. Il y a le Picbull aussi. Il va ajouter cette crypto-monnaie. Ici, que vous voyez là, celle-ci, voilà, le chip Nobi que vous voyez ici, il a fait 60%, et actuellement il est classé deuxième parmi deuxième des crypto-monnaies parmi sur la plateforme Bitmap. Voilà, sur Bitmap il est classé deuxième, voilà, deuxième des top gagnants. Voilà, donc c'est une crypto-monnaie qu'il ne faut pas aussi négliger. Il y a ça. J'ai aussi présenté quoi? J'ai aussi présenté une crypto-monnaie le matin. Non, c'est pas dans ce canal, c'est dans un autre canal. Donc les gars, vous ayez au moins ce 10 de ces cryptos, et donnez-vous et dormez tranquillement, voilà, pendant l'année 2020. Voilà, si vous avez une certaine quantité, vous dormez tranquillement. Voilà, vous faites juste du holding. Voilà, nous les traders, nous allons aller sur le marché, faire des profits directs, voilà, et ressortir. Voilà, donc et en même temps, nous sommes aussi holder, hein. On est trader, holder et staker.
Voilà, faites l'effort d'avoir cette crypto-monnaie en quantité. Voilà, je vous aurais vraiment prévenu sur cette chaîne parce que vous savez très très bien que ici vous allez toujours avoir de la valeur, les gars. Vous allez toujours avoir de la valeur dans ce canal. Vous allez toujours avoir de la valeur dans ce canal. Donc, les gars, faites vos recherches là-dessus et revenez me dire ce que vous en pensez, les gars. Faites vos recherches sur ces cryptos-là. Vous-même, vous allez voir si elles ont du potentiel, si vous pouvez investir là-dessus, voilà. Mais toujours dire qu'il faut toujours investir le minimum de son maximum. Vous ne devez pas investir tout votre argent dans les crypto-monnaies, voilà. C'est parce que nous sommes dans un marché extrêmement volatile. Vous savez que les prix changent à toutes les secondes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, voilà. On va voir. Comme ça, ceux qui détiennent, ceux qui ont beaucoup d'argent actuellement, avec le Baby Doge, regardez ce compte, ce portefeuille. Il a des milliers, il est déjà millionnaire en CFA avec le Baby Doge, avec le Baby Doge, voilà. Parce que c'est un autre ici, il est millionnaire avec le Baby Doge. Il a acheté près de 5 000 milliards, 5 millions de milliards de pièces. Voilà, donc, voici sur les détenteurs de Baby Doge deviendront bientôt millionnaires, ça c'est clair. Bientôt millionnaires. Donc, gardez cela en esprit. Gardez cela en esprit, les gars. Donc, on va rentrer encore. On va rentrer. Je pense que c'est tout. On a vraiment parcouru tous les éléments nécessaires. On a tout dit. Il n'y a pas tout dit. Donc, les gars, ce que vous devez faire, vous devez juste vous abonner. Cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Les gars, likez. Je veux des pouces bleus. Je veux des pouces bleus. Encouragez-moi encore à vous fournir toujours de la valeur. Toujours de la valeur ajoutée. Donc, les gars, sachez que ici, vous allez toujours être servi en temps réel. Mais pour cela, vous devez être abonné. Voilà, vous devez cliquer sur la cloche et toujours laisser un petit commentaire pour encourager ceux qui dédicacent le temps pour partager avec vous au quotidien leurs efforts, leurs expertises, comment dirais-je encore, le dévouement. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, vraiment. Encouragez-moi avec des likes. Ce n'est que ce que je demande. Je demande juste les likes. Et je dis encore, cette crypto-monnaie, Nobi, voilà, c'est une crypto-monnaie à ne pas négliger. Voilà, ne négligez pas cette crypto-monnaie-là, les gars. Voilà, donc lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.